Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. Elle s'adresse à tout le monde. Voilà. C'est une vidéo pour tout le monde. Juste pour dire aux gens, voilà, à nous tous, que ce soit en amitié, en amour, en connaissance, ma chérie, mon frère, si tu vois que ton amitié est suivie d'hypocrisie, est suivi de méchanceté, où tu es là pour une raison quelconque, pas par amour pour une personne. Pardon, laisse-la. Ma soeur, si tu es avec le monsieur là, pas par amour, mais pour une quelconque raison, je ne sais pas, laisse-le. Que ce soit même dans l'amitié, tu marches avec une fille, tu ne l'aimes pas, tu marches avec elle pour pouvoir la piétiner, tu marches avec elle parce que tu veux quelque chose d'elle, laisse-la. Ou bien c'est ton badé, tu marches avec lui parce que c'est lui qui va t'ouvrir certaines portes. Ou bien c'est ta badé, tu marches avec elle parce que avec elle tu es comme ça, avec elle tu es vu en grand, en chien. Ou bien elle te maintient en amitié comme si tu es son esclave, tu dois porter son sac. Vraiment, laissez-vous. La vie là, elle est trop courte. Elle est trop courte pour faire subir à quelqu'un, mais. Je sais pas, pour que tu fasses une. Tu sois la base du malheur de quelqu'un. La vie est trop courte pour que la personne vienne te subir. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la vie est trop courte. Les maisons, voitures, terrains, tout ce qu'on achète là, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Pardonnez. Séparez-vous si ça va pas. Ne restez pas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'homme meurt comme il est. Je ne sais pas si vous voyez un peu la métaphore. C'est-à-dire, les gens meurent comme du n'importe quoi, comme des poulets, comme de la merde. Ok? Donc, toi, du moment où tu es dans sa vie, que tu sais, ah oui, tu sais que tu n'apportes pas un plus dans la vie de quelqu'un. De grâce, libère sa vie. Du moment où tu es dans une relation et que vice-versa, la personne ne t'apporte pas un plus, pardonnez, laissez-vous. Du moment où tu marches avec une fille, elle t'apporte pas un plus, c'est-à-dire elle ne t'aime pas pour ce que tu es, elle cherche à te changer, ou bien tu es son esclave, ou bien tu portes son sac, ou bien tu es son. Libérez-vous, pardonnez, les gens meurent. Ne faites pas subir des choses aux gens, s'il vous plaît. Ne faites pas subir des choses. Faut pas faire subir ta vie à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai perdu une amie très chère. Une amie d'enfance qui avait tout. Voiture, maison, gloire. Elle avait tout. Elle est décédée. Aujourd'hui, je me rends compte que notre vie que nous menons là, nous ne devons pas la subir. C'est-à-dire, je ne dois pas regarder ma camarade parce qu'elle est bien placée, je vais subir ma vie. Non. Ou bien, je ne dois pas regarder mon frère sans parce qu'il est bien placé, je vais subir ma vie. Non. On n'est pas en amitié pour subir l'autre. On est en amitié parce qu'on s'aime. On est dans une relation parce qu'on s'aime. Non pour subir. Non pour subir. Donc, de grâce. Tu ne l'arranges pas libre. Faut pas la déranger si tu ne l'arranges pas. Que ce soit ta badé, que ce soit ton frère sang, que ce soit ton gars, ta go, que ce soit qui que tu veux. Même avec ton parent, si tu vois que tu n'arranges pas ton parent, bien ton parent ne t'arrange pas là, ne cherche pas à maltraiter la personne. Ne subissez plus et ne faites pas subir les vies des gens. Ça me fait mal, hein? Vous ne m'avez pas vu hier. Hier, j'étais dévastée. Dévastée. Parce que pour moi, c'est impossible. Et quand je m'assois, je me dis, un jour aussi, on parlera comme ça de moi. On dira, mais de Luna, elle était. Qu'est-ce que je peux faire de bien sur cette terre? C'est aimer mon prochain. Faire du bien autour de moi. Éviter de blesser l'autre dans son amour propre. Ou bien dans sa dignité, ou bien dans son orgueil. Évitons cela, c'est important.
Évitons de faire du mal inutilement. C'est-à-dire, propageons de l'amour autour de nous. Voilà. Tu peux ne pas prier Dieu, tu peux ne pas avoir peur de Dieu, tu peux faire ce que tu veux, mais aime ton prochain. Aide ton prochain. Apporte de l'amour à ton prochain. Évite de blesser ton prochain inutilement. Tu peux faire des choses inconsciemment, mais quand tu t'en rends compte, va demander pardon. C'est-à-dire, posons des actes qui ont le mérite d'être louables. Pas la méchanceté qu'on voit là. Parce que la vie là, c'est comme ça. La vie est très très courte. You don't know. Demain, ou bien même je suis en train de parler là, je peux tomber là là. Donc de grâce, évitons de faire du mal à autrui inutilement. Évitons de blesser autrui inutilement. Et c'est-à-dire propageons de l'amour, de l'aide partout autour.